Eh bien salut à tous les amis, c'est Sam29 et aujourd'hui on se retrouve sur la Xbox donc pour l'épisode 5 ouais l'épisode 5 de Assassin's Creed 4. Donc dans le dernier épisode, je vous rappelle, on avait trouvé Lisa. Et donc t'as rien mieux à faire. On avait trouvé Lisa, bon, elle commence à me dire ça, c'est bon. Je crois qu'il va y avoir une cinématique là. Pas de cinématique. Bref, ce n'est pas grave. Ok, toujours. Allô? Jason, j'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Tu étais où? Vass m'avait capturé. J'ai réussi à m'en tirer avec Lisa, mais il a toujours les autres. Je suis pas assez fort pour les libérer. Il te faut plus de pouvoir pour vaincre Vass. Je ne peux pas t'en fournir. Mais quelqu'un peut t'aider. Sidra, tu es prêt. Tu dois aller la voir. Qui est-elle? Sidra, guide notre peuple. Elle te conduira au centre. Elle révélera ton véritable pouvoir. Son temple se trouve dans la jungle. Je te retrouve à l'entrée. D'accord. Je suis ma super mode. Dans quoi je m'embarque là, hein? Oh, t'es de la caverne, bon bref. Alors. Son temple est là-bas. Mais bon, on se tape ici. Ok. Bon, avant le prochain épisode, j'essaierai d'aller faire les tours radio là. Comme ça, on débloquera un petit peu plus de parties de la map, puisque ça fait quand même 2 ou 3 épisodes que je dis ça, mais j'ai pas vraiment le temps. Parce que aussi, comme vous pouvez le voir, enfin, entendre, je suis un peu malade. Non, si ça s'entend dans ma voix, bien sûr. J'ai attrapé froid comme sif, mais voilà quoi. Ça dure et ça dure. Mais moi, c'est depuis jeudi, donc voilà. C'est quoi ce truc? Bon, bref. RF. Oups, putain. J'ai fait exprès ça. Ah mais le pire c'est que c'est de l'autre côté carrément. Attends. Il y a des gens. Voilà. Coquette là ou on doit faire quoi exactement là? Rien. Ok. Ouais. Y a-t-il un chemin? C'est bon quoi. Ouais c'est bon.
Par contre, pour changer de radio, je comprends toujours pas comment on le fait. Hein. Je ma trace, c'est déjà ça. Voilà, ici je pense qu'il y aura une cinématique. J'y vais là-dedans. Ça, ça fait flipper. Hein. Bah, c'est pas grave, on y va. Jason, reste là. Bien en vue. Pas de geste brusque, d'accord? Dennis! Qui est-ce qui t'accompagne? Un jeune guerrier qui vient se présenter à Citra. Avancez! Suis-moi. Ouais. Et donc, les amis. Dennis, t'as fait rentrer un étranger ici? J'ai trouvé celui qui n'échouera pas. Partez! Ferhunty! Montre-moi ton bras. Voilà Jason. C'est le garçon dont je t'ai parlé. Salut. On vous apprend à parler sans permission en Amérique. Non, j'ai appris ça en France. Ce n'est pas un kabawa. C'est téméraire de plaisanter face à ta mort. Beau travail. Je te les rendrai après les avoir arrachés. Tiens, tu as arrêté de rire. Rares sont les étrangers qui ont vu ce temple. Et encore moins les cours intérieures. Pourquoi es-tu ici? Il me faut de l'aide pour vaincre Vas et sauver mes amis. Ah, rien que ça. Je devrais peut-être mettre mon armée à ton service? Non, tu es un faible. Tu n'es pas des nôtres. Je veux devenir un guerrier. Tu plaisantes encore. Allez, va-t'en. Il a pris mon frère. Qui, Vas? Je ferai n'importe quoi pour le sauver. Berikan Saerba. Ramène-moi ce qui a été perdu.
Je verrai ensuite. Waouh! Oui, Citra a vu le feu en toi. Ça veut dire quoi, ramener ce qui a été perdu? Avale ça. Une réponse te sera révélée. C'est dangereux, ce truc. C'est la peur qui guide tes paroles. Est-ce que tu veux vraiment sauver tes amis? Oui. Alors bois. Nous passons la vie entière à nous dominer. Imagine à quel point tout nous réussit dès qu'on ose faire ce qu'on souhaite. Et donc, les amis. Bon, j'ai pas fait de coupure, j'ai juste enlevé le micro. Donc, c'est trouver l'objet que Sita nous demande. Suis-je ? Attendez ! C'est quoi ce bordel ? Putain, ça fait flipper. Mais quoi? Je comprends rien là. On est carrément sous l'eau, ok. Je te boufferai saignant si tu veux comme un bon tournedos. Assez débile hein, comme préliminaire. Allez, t'es plus très loin de la fin. Allez! Damn! Pour moi, fiston, il va falloir suivre les règles. Putain, ça me fait flipper. Enfin, je m'attends à n'importe quoi, là. D'accord. Il va y avoir une autre cinématique, je pense. Dans les commentaires, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé en fait. Parce que là, j'ai rien capté.
J'ai vu mon copain et mon petit frère Riley. Ensuite, j'ai suivi un type en costume blanc. J'ai vu un bidonville, un bar. Il était tout sombre et crasseux. Et le couteau antique? Oui, un couteau antique avec une lame ciselée. Comment vous savez ça? Tu parles en dormant. Il y a un bidonville, à l'est, là-bas, en plein territoire pirate. Ok, alors j'ai plus qu'à m'y rendre. Oui, mais cette ville n'est pas petite. Comment tu vas le trouver, ce couteau? Facile. Je vais commencer par le Mont Blanc. Ok, d'accord. Bon, aussi, je peux... Enfin, maintenant, il y aura peut-être... à peu près 4 épisodes par semaine. Mais vraiment, à peu près. Enfin... 4 épisodes de Far Cry 3, et il reste 2 épisodes de Cube World, donc... on essaiera de les faire dans la semaine. Parce que maintenant, pour nous, il y aura 2 semaines de vacances. Bientôt, là, jeudi. Enfin, mercredi, on gagne nos vacances. Donc, ça me donnera le temps de vous faire plus de vidéos et tout. Parce que avec l'école, c'est pas très truc. C'est pas très, très facile de vous faire des vidéos. Donc, j'essaie de faire ce que je peux. Et aussi pour Cube World, donc vous avez pas vu les 3 premiers épisodes qui ont été mis sur mon ancienne chaîne et qui a été supprimé pour des raisons que je ne connais pas. Enfin, il y a dû avoir un bug, ouais. Et donc je les remettrai sur cette chaîne là. Mais vraiment, peut-être demain soir, qui est dimanche pour moi, ce qui est samedi, ou l'heure où je tourne. Hein. Et voilà. Attendez. Ah ouais, mais là, du coup, on peut sauvegarder, mais ça fait combien de minutes qu'on tourne? Ouais, 17h50? Non, c'est bon, parce qu'il n'y a pas eu trop d'action, donc... je vais aller la faire, le truc. Putain, mais... Oh putain. Je me fais attaquer. Désolé de vous faire chier les chiens, mais bon. Fallait pas m'attaquer aussi, je vous ai rien fait. J'ai tué un pauvre cochon, c'est tout, hein. C'est pas votre mère. Enfin, à moins que. Putain! Qu'est-ce qu'on gagne avec la peau de cochon? De ma go, ils ont un nom bizarre. Attendez, on va voir si on peut faire quelques trucs là. Confection, alors médical par exemple, on peut rien faire. Non, ça on peut rien faire. Ça, est-ce qu'on peut en faire? Oui. Rien faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça non. Créer. Oh là là. Après, il y a quoi? Attendez, je reste toujours dans la confection. Cartouchière. On va essayer de s'en faire une, si possible. Il nous faut 2 bouts de sanglier. Bon, bref.
des flèches spéciales. Ouais, bon. Je vais essayer d'avoir ça pour le prochain épisode. C'est un sanglier, ça, je pense. Par contre, le truc, c'est que j'ai plus de balles. Donc, attendez, on regarde sur la carte, c'est où ? Putain, mais c'est loin ! Fuck. C'est hyper loin. Heureusement qu'il y a un point... un truc à côté, parce que franchement... je m'y serais pas rendu, hein. Cette fille. Voilà. C'est bien celle de mon rêve. C'est franchement pas la fête. On t'a dit de venir ici, c'est pas pour rien après. Hein. Cette ville, c'est bien la ville de mon rêve, logique. Hein. C'est ici. C'est là. Ah oui, c'est bien là qu'il a. On va trouver l'homme en blanc. Le truc dans l'eau là qui affiche par quoi dans l'eau, enfin, il a fait un truc bizarre dans l'eau. T'as entendu parler de biquette? Ta gueule avec ta biquette, tu racontes toujours cette histoire quand on joue. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Biquette s'est échappé de la prison de Vass, et en moins de deux, il massacrait tout le monde à la machette. Ah, oh, c'est la version la plus nulle que j'ai entendue. T'as ruiné la chute. Va falloir que Hoyt s'en occupe, enfin, si c'est vrai. Hoyt en fera qu'une bouchée de ce type, c'est sûr, il lui fera bouffer sa propre machette. Il a déjà fait ça avec le patron de la mine. C'est un artiste, Hoyt. Il va trouver autre chose. J'ai pas raison ? À quoi il ressemble déjà, ce type ? Tapis. Bien joué. Mais c'est le type de ma vision. Il va m'amener tout droit à qui? C'est Oliver. Et là, je fais quoi? Tu viens y rentrer. Hoyt offrait à Vass argent et pouvoir. Moi, j'aurais fait pareil. Ah, ok, fallait le suivre de loin. Ah, d'accord. Bah, fallait le dire aussi. Il me dit de le suivre. Je suis pas un chien. Je devine pas ce que je dois faire. Hein. Ça fait combien de minutes qu'on tourne? Bon, suivez l'homme blanc, super, bravo, mais on sort par où? Par là, ok. Le type est la clé de ma vision, c'est sûr. On va le laisser aller. Il faut pas qu'il me voie. Citra a intensifié ses attaques. Pourquoi? De vieilles rancunes. Hoyt t'offrait à Vass argent et pouvoir. Moi, j'aurais fait pareil. Ah,
renseignements sur tes clients? Écris-la. C'est plus trop l'occasion de tenir un stylo. Je commence sur mes prix. Entre merciants. Tu le fais entrer ou il dégage vite fait. Bonne petite pipe, bonne petite belle. Tu veux ou tu veux pas? Enfin, ce soir, je travaille. Comme tout le monde. Lol. Bon, je parle pas beaucoup. Est-ce que je suis hyper concentré là? Je m'attends à tout. Comme d'hab quoi. Mais aussi je parle pas beaucoup parce que je suis malade donc je me tue pas ma gorge. Je me fais trop vieux. Voilà. Et dans la cabane. 2 secondes. Ça fait combien de minutes qu'on tourne 27. Bon, c'est bon. On entre dans la cabane et... fini. Vous avez 10 secondes pour me dire qui vous êtes avant que le C4 qui est sous la table ne vous éparpille sur les murs de la pièce. Ça va faire beau. Mon Dieu. J'en doute. 5 secondes. Jason! Jason Brody! Oui. C'est si je dis oui ou non que vous faites tout péter? Pragmatique, c'est prometteur. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes un patriote, Brody. Pas le branleur qui se contente de mettre la main sur le cœur en mangeant des hot dogs devant le baseball. Excusez-moi, mais c'est fichtrement trop facile. Non, celui qui tète les miches de Lady Liberté. Celui qui, apprenant que son frère est mort, pas, demande d'abord. On a gagné. Celui qui se paluche quand il entend le mot victoire. Alors... vous êtes un vrai patriote ou vous êtes un de ces 68ards qui pleurniche quand il n'y a plus de céréales bio au magasin? Un vrai patriote. Bingo! Voilà ce que je voulais entendre. Ah, au fait, Vas tient votre ami Oliver Carswell et je me rapproche de Keith Ramsey. Vous leur voulez quoi au juste? C'est mon boulot de tout savoir sur cette île. Je peux vous aider, mais il faut jouer avec mes règles. Je cherche quelque chose. On peut se rendre des services. D'accord. Ok, d'accord. Bah au pire, je fais comment pour aller lui parler? Jason. Vous êtes qui? Une sorte d'espion? Je vais ni le confirmer ni le nier. Non, je me fous de ta gueule. Je travaille pour l'anglais, agent Willis Huntley. Oh, génial. J'ai besoin de l'aide de l'armée et du gouvernement. Pas question. Je suis infiltré et je n'ai aucun contact réel avec l'agent. Vous êtes tout seul ici? Non. Vous rigolez? J'ai toute une équipe. Ils sont sur le terrain, mais ils vont revenir. Ils viennent d'envoyer ces scans qui vont foutre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Je peux rien vous dire, top secret, mais croyez-moi, c'est un gros truc. Ouais, sans doute. Et je manque encore d'infos. Prise à la source. Flammenwerfer. Un lance-flamme. Merveille est une invention des frisés. Hoyt Volker est le patron d'une vieille connaissance à vous, Vass. On sait également qu'il dirige un gigantesque réseau de trafic d'esclaves dans tout le Pacifique, sans oublier qu'il cultive de la drogue. Si on incendie ses champs et son bateau,
il se réfugiera sur cette île. J'aurai ce que je veux et il crachera le morceau à propos de vos amis. Capiche? Je pense que c'est réservé aux Italiens, ce truc. Il n'y a qu'eux qui disent ça. Autant qu'ils repeignent toujours tout en doré, on se comprend? Ah, au fait, voilà le jouet. Oh, j'ai bien hâte d'essayer ce truc. C'est tout ce que je voulais entendre. Et souviens-toi du bateau. Ok, compris. Je vous fais confiance pour les infos sur Hoyt. Eh ben, ça c'est fait. Et Stern, on l'apprend quand? Quitter la cabane maintenant, ce sera un petit peu plus difficile, je pense. Non, c'est bon. C'est aussi simple. Ça fait combien de minutes qu'on tourne, allez? Je jouerai son jeu tant que ça m'aidera à retrouver mes amis. 31 minutes? Ouais, c'est bon, comme c'est assez pour un épisode. Donc, bah, les amis, on va se laisser ici. Hein. La prochaine fois, on aura un petit peu plus... Enfin, on verra plus la carte, parce que là, franchement, c'est pas trop ça. Hein. Et voilà. Allô, attends, Alice? Jason, tu as trouvé quoi? La vision m'a conduit à l'homme en blanc. Une sorte d'agent secret. Marrant. J'ai jamais entendu parler de ce type sur l'île. Ouais, il m'a parlé du patron de Vass. Hoyt. Hoyt Volker. N'approche pas de lui, Jason. Tu penses que Vass est fou? Mais le mal qui ronge cette île provient de Hoyt. Il contrôle complètement l'esprit de Vass. C'est lui qui tire les ficelles. Wow. Ok, je serai prudent. Ouais. Donc, je disais, en attendant, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un petit kiff. Enfin, cliquez j'aime. Cliquez j'aime et faites-moi part de vos impressions. Et en attendant, bah, à la prochaine. Allez, salut tout le monde.